16e siècle, et nous sommes à Kingsbridge, la ville fictive où on a construit la cathédrale dans les piliers de la terre, et à Londres, et à Paris, et à Séville en Espagne, et aux Pays-Bas. Donc c'est un roman européen. C'était la reine Elisabeth Ier qui a fondé le premier service secret d'Angleterre. Et notre héros, qui s'appelle Ned, est un espion, un agent secret pour la reine. Elisabeth était très sage, très intelligente. Et même qu'elle ne s'est jamais mariée, elle était très sexy. Et elle a employé ça dans la politique. Et il y avait beaucoup d'assassins qui ont voulu le tuer, mais son service secret l'a protégée. Et elle est morte à l'âge de 69 ans dans son lit. Marie de Guise, reine des Écossais, était très jeune. Elle s'est mariée à l'âge de 15 ans. À l'âge de 16 ans, elle est devenue la reine de France. Le roi est mort après un an de mariage. Et à ce moment-là, elle s'est déménagée en Écosse. C'était une erreur. Les Écossais étaient très violentes. Il y avait toujours une guerre de religion. Elle ne pouvait pas gouverner cette paix violente. Et elle a fait une deuxième erreur. Elle s'est déménagée en Angleterre, où elle était très dangereuse. Parce qu'elle est catholique, le pape a dit qu'elle, Marie, est la reine légitime d'Angleterre. Donc, elle était très dangereuse pour Élisabeth. Élisabeth l'a mis en prison et puis l'a tuée, l'a décapitée. Donc, les deux femmes fortes, puissantes, très importantes dans la 16e siècle. Les personnages sont un peu plus grands que la vie. Nous disons en anglais « larger than life », c'est-à-dire un peu plus beau, un peu plus intelligent, un peu plus fort, mais quand même, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas Superman. Donc, quand il y a le danger, on a peur pour lui. Quand quelque chose arrive qui est triste, le lecteur a des larmes qui montent aux yeux. Et ça, c'est le secret, c'est pas un secret, c'est ce qu'il faut pour un roman dont on doit tourner les pages encore. Plusieurs choses. Le feu est important dans le roman. C'est à l'époque, on a brûlé les gens qui croient une religion différente. Donc les catholiques ont brûlé les protestants ont brûlé les catholiques. Donc le feu
est importante pour ça. C'est un colombe parce que les espions sont, des fois, ils sont appelés la cinquième colombe. Parce que vous avez les soldats, mais les espions sont aussi à battre dans une guerre. Et enfin, il y a dans mes romans, il y a souvent une grande bataille. Et dans une colonne de feu, c'est la bataille navale au mer, à la mer, entre les navires d'Espagne et d'Angleterre. C'était une grande bataille. Il fallait une semaine et enfin les Anglais ont battu. Donc pour les lecteurs anglais c'est bon, mais peut-être pour les lecteurs espagnols c'est passé. J'ai lu un roman français que j'ai aimé beaucoup qui s'appelle Chanson douce. C'est un peu comme un policier bouleversé. Parce que dans le premier chapitre, on apprend qui a fait le meurtre. C'était la nounou. Et pendant le roman discute toujours pourquoi elle a fait ça. Mais enfin, on n'est pas sûr. J'aime beaucoup l'écrivain Slimani, Laila Slimani.